Elle est où? Non! Non! Yo la mif, aujourd'hui on incarne Noah Baker, un lycéen de 18 ans qui garde une maison toute une nuit d'une personnalité médiatique. On va vivre tout simplement cette nuit avec Noah, mais on ne va pas savoir ce qui va se passer, il va se passer des grosses dingueries, je vous laisse découvrir ça directement dans la vidéo les beaux gosses. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et pourquoi pas le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce maintenant, bon visionnage! Alors, petite laverie automatique, let's go. Ok, let's go. Employé only. Je suis un employé, moi, non? Bah, wesh. Wesh. Ouah, la backroom... Attends, mais c'est les backrooms ou quoi, là? Shift pour courir. Mais what the fuck, frère? Je suis sous drogue ou ça se passe comment? Wesh. Ça va ou quoi, gros? Salut. Oh, Javel. Pardon? Où est-ce que tu l'as mis? C'est quoi cet endroit? Qui êtes-vous? C'est quoi cet endroit? Oui, hello, Javel, j'en ai besoin. Mais c'est quoi cet endroit? Qui êtes-vous? J'ai dit que j'ai besoin d'eau de Javel. Ok, ok, ok. Ok. Noah ? Noah ? L'heure de la sieste est terminée, on est là. On est là, tu avais dit que tu pourrais faire ça. Réveille-toi, réveille-toi, Noah ! Noah, réveille-toi ! Ah, on était dans une voiture, ok, d'accord. Ah, j'ai été somnambule carrément. Peu importe, tu peux le faire maintenant ? Ouais, vas-y. Roy a appelé et a dit que les clés devraient être sous la fausse pierre. Compris. Il a dit que c'était dans le jardin. Compris. Comme je te l'ai dit, pense à bien fermer les portes à clé et n'ouvre à personne. Ok, maintenant bouge ton cul. Ok, d'accord. Let's go. J'espère que tu sais ce que ça fait. Ok, merci monsieur. Des bisous, papa. Merci, hein. Bisous. Je devais récupérer la clé qui était dans l'arrière-cour. Ah merde. Allons chercher ça, le chat. Voilà, là, c'est l'arrière-cour. Ok, let's go. Jacuzzi time. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu de méchant. Oh bébé! T'es trop mignon! Oh bébé! Il est trop beau! Bébou! Oh j'adore te caresser! Allez vite ami frère! Oh il est trop mignon! Le bébé! C'est Boy! C'est Boy! Il s'appelle Boy! J'ai envie de faire pipi! Eh ben on va faire pipi! El Paco! Ah merde! Non! Ah pour boire! Vas-y! Let's go, je drink! Ça fait du bien. J'avais vraiment envie de faire pipi. Ouais, je sais, je sais. Waouh. Et ici, on fait des trucs de cul. Rally avait trop la flemme de modéliser le garage. Ah, ok, d'accord. Au moins, ils sont honnêtes. J'ai réalisé que la maison était bien plus grande que la nôtre. Ouais, de ouf. Hein. Waouh, gros, il y a des pièces noires en plus. J'aime pas ça. Ou me poser et faire mon travail. Ok, bah vas-y, bon, on travaillera. Ah, tu veux travailler maintenant? Il faut peut-être pisser avant, non? Attends, viens, on va pisser. C'est où les toilettes? Ah, bah voilà. Attends, j'en fous partout. Ne m'a vraiment pas aimé ça, je m'en bats les couilles. On pisse partout. Hop là, parfait. Bon, tire la chasse. Et voilà, j'ai pissé partout, frère. Ah. En vrai, je suis jaloux d'Avap et TDR. Ce petit bébé là, je sais pas, je viens de faire un rêve trop bizarre. Ok, j'ai pas trop compris, mais let's go. Tu me sauves la vie, gamin. En parlant de lui, je voulais te rappeler que c'est son heure du dîner. Ouais, voilà, j'y vais de ce pas. Ok, direction le sous-sol et on va lui donner à bouffer à Boy. Ah, c'est là. Allez, direction sous-sol, let's go. La cave était un peu trop sombre. Ouais, mais bon, c'est pas très grave. J'ai oublié, désolé pour les lumières dans la cave, tu peux récupérer la lampe torche dans la réserve à l'étage, pas de problème. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est là. Ok. Ah non, non, utilise plutôt. Ouais, zou. C'est mieux ça. J'aime pas l'ambiance là, elle commence à s'alourdir. Hein. Where is the booth of Boy? Ah, c'est là. Ok, let's go. Boyune! J'arrive! Boyune! Il est où, Boy? Ah, il est là, Boy. Il dort, bébé. Oh là là. Il est l'heure de bouffer. Allez, viens, mon bébé. Viens. Viens manger. Qu'est-ce qu'il veut, Roy? La petite Walter m'a dit que tu es un connaisseur d'ordi. J'ai une faveur à demander. Mon ordi est très bizarre en ce moment et tout mon système de sécurité est relié. Ok, d'accord, j'irai voir ça. Je veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Ouais, je comprends. Je jetterai un coup d'œil à votre PC. Ouais, let's go, on va donner un coup d'œil à vos PC. Ok, bon, vas-y. Hein. It's time. Hein. Il est où, son PC, là? Ok. Qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Al Carson 5387. Ok. Ok. iNet. Let's go. Wesh. The system has. Ok. Ah bah tiens, un antivirus, c'est cool. Download now. Voilà, on prend l'antivirus, le chat. Let's go. Perform full scan. Let's go. Petite analyse. Eh, on est dans PC Simulator ou quoi là, le chat? Aïe. Je suis en train de mourir, le chat. Tu diras ça à mon fils, mais merci, je te donnerai un joli pourboire quand je reviendrai, mais let's go. C'est bon, c'est juste un cheval droit, je vous conseille de télécharger vos logiciels uniquement sur des sites de confiance. Et arrêtez les sites de boules.
Voilà la télé. Let's go. Hop là. Non mais c'est quoi ce qu'on regarde à la télé là, frère, à un moment. Tu disais aussi, il faudrait que tu récupères les courses avant qu'il fasse trop noir dehors. Il y a du liquide sur ma table de chevet. Ok. Oh, faut que j'aille faire les courses. Je suis vraiment ça de choix, hein. Je crois que je dois courir. L'autre me colle aux fesses là. Il faut que j'aille chercher des courses au milieu de la nuit. Bah ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Ouais, de la musique sombre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais ma petite balade tranquille, hein. Et voilà. Paf. Hop là, on laisse le vélo là comme une merde, on s'en branle. Merci, bonjour, comment allez-vous? Ça et toi? Ça utilise un panier, pas de problème frère. Ouais, rentre chez ça. Ok, rentre chez ça. Let's go. Ensuite, il me faut strawberry jelly. Strawberry jelly, strawberry jelly. Strawberry jelly. Let's go, paf. A few minutes later. Là c'est bon. C'est Lidl le jeu, ouais, c'est vraiment ça. Oui, s'il vous plaît, let's go. Hop là. Allez hop, direction maison. On se casse de là, la chatte. C'est quoi ça? Ah, c'est ma lampe torche. Mais let's go. Et ben voilà, on va tout mettre dans le frigo. J'ai laissé les courses dans la cuisine. Ouais, voilà. Nice. Je pensais que je devais faire mes devoirs maintenant. Ok, bah attends. Et attends, avant... Ah, il y a écrit quoi, là? Do not disturb for any reason. Attends, mais j'ai déjà ouvert cette porte. Ah non, je l'avais pas ouverte, ok. Je dois vraiment faire pipi. Ah, faut que j'aille pisser d'abord, fais chier. Voilà, zou. Et on pisse partout. Je vise, je m'en bats les couilles, je vise pas. Je pisse partout, je m'en branle. Je me lave les mains ou pas? Ou je suis un crado? Je suis un crado, ok, très bien. Oui. Mais voilà, il y a de l'orage, frère. Ça donne pas trop envie, ça. Waouh, 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 Andy, Andy. Mec, t'as bien dit que t'étais chez Carson? Faut que tu vois ça. Cherche Roy Carson, divorce sur internet maintenant. Roy Carson, le cofondateur de BN Media, affirme recevoir des menaces de mort de la part des fans enragés de son ex. Mais non. Voilà, gueule de Roy. Ça en devient très méprisant. Nous remarquons des cas similaires comme celui de Roy Carson, responsable des opérations et cofondateur, qui après son divorce, prémédité avec l'ancienne actrice Alyssa Brown. Carson aurait reçu des menaces de mort de la part des fans d'Alyssa Brown, au sein de son mari, qui serait infidèle à sa relation. Oh là là, il trompe. C'est un charreau, le Roy. Une personne qui toquait à sa porte pour le confronter. Oh bah ça, c'est très bizarre, ça, quand même. Au moment où je lis ça, gros, il y a des gens. Quelqu'un est à la porte devant. C'est qui ça? Bah attends, on va aller voir, on va aller voir. Hein. Qui c'est ce quoi? Oui, bonjour! Qui est-ce? Votre livreur pour une pizza pepperoni taille moyenne de chez Pizza Dépôt, monsieur. Quelle livraison? Je n'ai pas commandé de pizza. Votre pizza pepperoni taille moyenne, monsieur, vous vous trompez d'adresse. C'est bien le 224 boulevard, c'est exact. C'est une commande au nom de... Roy Carson. Oh, ça se trouve, il m'a fait une surprise. Il m'a fait une surprise, ça se trouve, l'autre. Prendre. Merci, monsieur. Restez à l'intérieur le temps que la pluie s'arrête. Ah non. C'est probablement dangereux de rester dehors à cette heure-là et j'ai oublié mon manteau au magasin. Je ne pense pas que mon père n'apprécierait ça, il est à l'étage. Oh, vas-y, on va mentir. Oh, je comprends. Bon, passez une bonne journée. Oh, let's go, je lui fais croire qu'il y avait quelqu'un à la maison. Let's go, le chat, parfait. Parfait, et comme ça, on a une pizza gratuite. Eh, hey, let's go, pas, fond, pas con, le gars. J'ai pensé que je pouvais regarder un peu la télé en mangeant. Bah, let's go, on va regarder la télé. Malgré la pluie, elle était bonne et chaude, la pizza. Oh, bizarre l'émission que je regarde, hein. Roy, des pizzas arrivent, ça devrait être là d'ici quelques minutes, profite bien. Bah j'ai déjà reçu frère. Hein. Oh oh. C'est qui? Bah gros, y'a personne. Qui est-ce? Bon bah... Zub hein. Wesh, y'a quelqu'un dans mon jardin? Wesh, y'a quelqu'un dans mon jardin? Attends, mais y avait une meuf dans mon jardin. Attends, y'a un truc devant ma porte. Attends, gros, y'a un truc devant ma porte et y avait une meuf dans mon jardin. Vas-y, attends, je vais aller voir, je vais aller voir. Hein. Y'a des fleurs. Y'a une meuf qui m'a déposé des fleurs. Je ne savais pas quoi en faire. Bah ouais, de ouf. Bon, allez, c'est ça là. Hein. Salut, comment ça va? T'as mangé quoi ce soir? Wouah, tellement glauque. Qui es-tu? J'ai pu supposer que t'as un nouvel numéro. Ouais, mais sauf que c'en est pas un, je pense. Pendant que je faisais mes devoirs, le courant s'est coupé. Ah bah ça, c'est pas une bonne chose, hein, vraiment. 5 nouveaux messages, et bah ça, ça fait plaisir. T'es tout seul? Pourquoi tu continues à m'ignorer? Pourquoi t'es toujours aussi méchant avec moi? T'es vraiment immature, là, bien sûr. Bien, si c'est comme ça, j'ai plus besoin de toi. De toute façon, Todd est tellement plus beau que toi. Qui êtes-vous? C'est clairement mon ex. C'est clairement mon ex. À ce moment, j'ai quasiment su que c'était une blague de Turner. Non, je suis pas sûr.
pense qu'il faut que j'aille remettre le courant. Ça doit être au sous-sol, non? Ah mais non, mais attends, c'est dehors! Ah gros, mais c'est dehors! Il faut que je sorte là, vraiment? J'ai pas envie de sortir, hein. Il faisait soudainement très froid dehors, ouais, de ouf, hein. Oh boy, qu'est-ce qu'il y a, boy? Qu'est-ce qu'il y a, boy? Pourquoi t'aboies? Zeki agissait bizarrement, bah ouais, de ouf. Je voulais dire que quelqu'un avait coupé le courant dehors. Ah bah ouais, clairement. Sabotage, hein. Mais oui, t'es mignon, bébé. Tu veux venir dans la maison avec moi? Tu disais qu'on resterait amis. Turner, c'est pas drôle, je sais que c'est toi. Non, c'est pas lui, hein. Je commence à stresser, moi aussi, hein. Bon bah allez, hein. On s'y remet, hein. Ouais, y'a quelqu'un, il dit qu'il y a quelqu'un. Mais il a dit qu'il y avait quelqu'un. Peut-être qu'il faut que je continue de travailler, non? Ah bah ouais, je continue, ouais. Ça croustille, hein. Wow. Ouais, j'ai clairement entendu quelque chose en bas des escaliers. Attends. Caméra time. Oh, y'a quelqu'un devant la porte. Je pouvais jurer sur ma vie que je n'ai allumé ce four. Hop, le four, il est allumé. J'ai pas vu quelqu'un passer là, dehors. Si, y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un dehors. Ouah, wow, gros, là, je commence à bien stresser, là. Bon allez, hein, il faut que j'éteigne le four. Hein. Qu'il était dans la maison. Ça me mettait mal à l'aise de savoir qu'il était dans la maison. Ah parce que là, c'est bon, on part du fait qu'il y a quelqu'un dehors, dedans. Je devais le confronter, mais quoi? Ouah, ça commence à devenir glauque là, le chat. Hein. Ça respire dans la maison, je sais pas si c'est le chien. Waouh. Gros, il est chez moi là. J'ai associé ça à mon manque de sommeil, quoi. On devait aller voir un film avec Brady, mais il pleuvait des cordes, alors on est resté à la maison. Que j'avais tendance à être beaucoup trop paranoïaque, ouais. Non, mais là, gros, c'est pas de la paranoïa, là, il se passe des trucs, hein. J'aurais dû appeler la police. Bah, on peut le faire encore, hein. Oh, la porte, elle est ouverte. Oh, The Bee, la porte, elle est ouverte. Oh, la porte, elle est ouverte, frère, j'ai trop le seum. Y'a des bruits de pas? Ouah gros, mais qu'est-ce qui se passe? La tête, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh là 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 là, elle regarde la télé. Ok. Elle vient vers moi là. Voilà malade. Waouh. Oh la malade. Oh, calmez-vous. Comment ça? Non mais je veux pas sortir moi. Ouais, je vais aller me cacher je crois. Comment ça, les autres non plus? Elle veut vraiment me buter, la rouillette. Elle est où? Non. Non. Oh la pu... A few minutes later... Noah?
C'était juste ça à faire. Elle a été droguée, le chat. On a réussi! On a réussi, le chat! Et voilà la mif, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Habibi, tu le sais. On se retrouve très très vite sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À bientôt!